Salut l'ami, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Grosse vidéo, et essaye de ne pas rire, sinon tu payes au bled. Tu peux filmer. On est en plein milieu du bled. Là, pour l'instant, je vais changer que 30 euros parce qu'on peut pas payer en euros ici. On doit payer en dinars. Je pense que je vais pas trop rigoler aujourd'hui, hein, je vous le dis. Vas-y, viens, suis-moi. Il y a Omar et Yasmine avec moi. C'est vrai, je suis là. Il faut être discret parce qu'après, il va dire me filme pas, je suis recherché. Oh, t'inquiète. Salam alaikum. Ça serait pour changer 30 euros. Aïchik, mon ami. Salam alaikum. Ce qui est magnifique, c'est que tu rentres avec 30 euros et tu ressors avec 20, 40, 60, 80, 90, 8000. Et là, on dirait des billets de Monopoly, je me suis fait couille. Bon, le défi peut commencer. Omar, raconte-leur la bagarre qu'il y a eu. Il y a eu une bagarre ici. Il y a eu un jeune et un vieux. Le vieux, il est arrivé. Waouh, grosse patate. Le jeune, il est arrivé, il a fait une petite patate de mimi. Voilà. Et la police, ils sont arrivés. Après, la police, elle est arrivée, elle a fait ça. Elle a sifflé. Circuler et tout le monde s'est barré. Tout le monde est rentré, ceux qui ont eu la bagarre, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, incroyable. Bon, là, on va devoir traverser, ça fait grave peur quand tu traverses au bled. Dans les rues de Vice City. Donc, du coup, j'attends ton top départ pour traverser, je t'ai fait confiance, mais j'ai la caméra. Allez, on y va. 3-2-1, allez, on y va. Donc, ça va, il n'y a pas de voiture. On va aller voir Yacine. C'est plus en soirée, il y a des voitures. Moi, c'est plus en soirée, c'est la merde. Yacine vient de se lever. Qui va commencer? Oh, la délit d'Elo. Quoi? Qui commence la première? Essaye de ne pas rire. Oh, crois pas, je vais commencer, je suis pas un pigeon. Yacine, mets ta main. Mettez tous vos mains. Yacine, mets ta main. Oh, si t'as gagné au billard, tu me fais ta main. Ah là, Deli, Delo. Oh, let's go, c'est pas moi. Si, c'est lui, c'est le premier qui sort. Non, le premier il sort, ça veut dire c'est pas lui. Voilà, merci bien. Allez. Pierre, feuille, ciseaux, je perds tout le temps. Pierre, feuille, ciseaux. Je suis très très chaud de le faire rire, lui. Il vient de se réveiller, il a la tête dans les nuages. Donc, t'es prêt? Comment est-ce que les abeilles communiquent? Les abeilles? Ouais. Ils miellent, ils miaulent. Bzz, bzz. Ils communiquent pas. Ils miellent. Ils miellent. J'ai suivi. Ils miellent, ils miellent. C'est quoi drôle? C'est j'avais déjà trouvé avant, c'est la blague. C'est pas drôle. Et je t'ai donné une chance parce que j'avais déjà trouvé. J'avais déjà trouvé en fait. Il rigole jamais dans sa vie, lui. C'est Monsieur Fourmi. C'est l'histoire de deux grains de sable qui arrivent à la plage. Qu'est-ce qu'ils disent? Deux grains de sable qui arrivent à la plage? Ils ne parlent pas, les grains de sable. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne parlent pas. Ils disent... Oh putain, c'est blindé aujourd'hui. Quel est le pays le plus cool du monde? Aïe, le pays le plus cool du monde? Le Yémen. Elle est énorme celle-là, voilà le Yémen. Vas-y Sarah, t'es coiffé, on va y aller. Non mais là, faut que je fasse le mafieux là, je vais encore me faire carnat par les vendeurs. T'as des lunettes Dior que t'as acheté dans un magasin de contrefaçon à côté, tu me dis il faut que je fasse le mafieux. Il va savoir que t'es un pigeon. Fais voir. On va utiliser que 60. Voilà, il va aller payer avec des billets de Monopoly. On va utiliser que 60, c'est merveilleux parce qu'après il reste encore un peu de défi. Et moi me connaissant. Eh bien oui, assez ton parfum. On part sur quoi alors? On part sur quoi? Le maillot de foot. Un maillot de foot et un maillot, vas-y. 60, si j'arrive à avoir là, avoir 50 dinars. Ça, c'est pour quand? Là, on va au marché, c'est un marché ici. Tout est négociable, c'est pas en France. Genre en France, tu vas à Footlocker, Foot Corner. Un maillot, c'est 50 euros, tu l'achètes 50 euros ici. Tout est négociable. Il va te dire par exemple 60 dinars, tu peux l'avoir à 30, 40 et tout. En fonction de ta tête, il voit si t'as un pigeon ou pas. Donc là, vas-y, on y va. On va voir si t'as un pigeon, toi. La salade, c'est pas dans le sandwich. La salade, c'est pas dans le sandwich, il m'a dit, je sais pas pourquoi. Qui a dit ça? Donc là, on commence par des souvenirs. Nous, ça nous intéresse pas. Vous m'avez dit des maillots, hein. Vous commencez pas à me dire je dois tout acheter, je sais pas quoi. Il y a des sacoches. Il y a des sacoches. Faites gaffe, Balek, vous marchez dessus, vous les cassez. Balek aussi, il a marché dessus. Je savais. Alors, super impression. Après. Après, tonton, après. Bonjour, jeune homme. Hey. Bonjour. Chut, une question, juste une petite question. Par la main. Ça va? La France, la Belgique, la Suisse, Algérie. 3, 2, 3, vive l'Algérie. Moi aussi, Algérien. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Moi aussi, d'origine algérienne. Mashallah, tu viens d'où d'Algérie? Steve. Nous, Marnia. Famille de Steve. Marnia. Ah, ça va, la santé est bien? Alhamdulillah. On est berbère, on fait un petit marché tunisien. Des bons prix pour les amis, alhamdulillah. C'est bien. Des bons produits, c'est bien. Ah, des bons produits, des bateaux. On a des chichas, on a des tabacs, on a des bougies de Djerba. Il y a des majors et bons prix pour les amis, d'accord? Je fais un petit tour et... D'accord, on est là. D'accord, les amis, on est content.
Au revoir. Au revoir. On est chicha, c'est haram. Ah, c'est ça les maillots de foot. Messi, Mohamed Salah, Lewandowski, Gucci, et les maillots de la Tunisie, Wahbi Khazri. Cette année, la Tunisie, ils vont pas gagner la Coupe du Monde, les gars, je suis désolé. C'est pas pour vous cette année. Alors, pourtant, les maillots, c'est bon, j'ai été changé. T'as dit quoi? Viens, on va parler. Il est trop fort. Ah, man, c'est vrai, c'est une moi. Je t'ai dit, j'ai changé que 60. J'ai changé que 60, j'ai pas plus. Donc je garde pour faire un peu d'activité. On a le dos numéro 7. Lewandowski. 60. 60, c'est un bon prix. Voilà, ça, c'est pour mon père, souvenir. C'est un petit expresso. Vas-y, je parle. D'accord. On va lui ramener un petit café, Miske. Vas-y, j'arrive, tonton. T'as changé un maillot contre un café. Non, c'est 60 dinars. Le respect des plus grands. Là, là, attends, là, là, je fais le mec, mais je suis grave content de moi. On va. Et t'as une technique, elle est incroyable. Attends, tu gères pas. On va aller à l'intérieur parce que là, il nous regarde. Et on va crier de bonheur. Non, c'est pas bien, crie pas. Non, je rigole. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à négocier. Hey, je suis trop chaud. Et là, genre, le maillot, il est à 10 euros. Ça, je suis trop chaud. Tu sais que je t'ai quand même fait couiller. Ouais, non, je me suis pas fait couiller. Tu sais quoi? On est venu avec Omar, il nous a dit 280. Et 280, je suis pas sûr. On a béni 180 Gina. Ça, c'est pour mon papa. Un petit polo Lacoste, je vais l'enlever parce qu'à la douane, si tu fais comme ça à la douane, ils vont te le commander. 280 Gina. Ouais, c'est un ouf. Ça, c'est pour toi, papa. Un petit cadeau. Waouh! Il est incroyable. Yacine, là j'ai pris Yacine. Est-ce qu'il y a Benzema derrière? Non, il n'y a aucun flocage. Mais non, il y a marqué Yacine là, regarde. Yacine 3. Vas-y, bah tiens, je vais lui ramener. Imagine, est-ce que tu peux me ramener un café s'il te plaît? Je vais lui ramener un café. Voilà, on va lui ramener un café quand même parce qu'il était trop gentil. Le café, c'est la boisson préférée des Français. Par contre, je sais pas si t'as vu, des êtres humains. À un moment, quand tu filmes, il a dit attention, il filme. Hey, le téléphone en 2023, c'est devenu pire qu'un pistolet. Voilà, les gars, on fait une petite pause quand même. Parce que je n'ai pas envie de me ruiner. On va à la piscine chaude ou froide? Chaude parce que c'est 1m40. La froide, on peut pas parce qu'il y a des gens qui font des cours. Ok, là, c'est la piscine pour bébé, donc du coup, laisse tomber. Un vrai défi à proposer à Omar. Je pense que je vais l'éclater. Celui qui va le plus loin sous l'eau. Je sais que mon cousin Sofiane il peut aller jusqu'au bar, mais vas-y, il peut aller super loin. On va voir avec Omar. Pierre Fassizo qui commence. Ça, il est éclaté. Je pense qu'il est vraiment éclaté. Il est à la surface de réparation, à la surface de l'eau. Ah, mais j'ai grave peur de me manger un mec. Mais il a le droit de faire ça? Bah oui, il a le droit. Ah, ça y est, la punaise. Ok, regarde la poulet. Il va la poulet. Elle l'a fumé. Bon là les amis, on va prendre un taxi, on va se barrer de l'hôtel. Vas-y Omar, c'est à toi, essaye de me faire rire en vrai. Vas-y Omar, fais le rire. Ça va monsieur? Vous êtes tunisien? C'est pas lui, au Younes. T'es tunisien? Oui, tunisien, très bien. Oh. Il a rigolé. Ouais, c'est vrai, t'as rigolé. Yerham el waldin. Shukran laka. Barakallahu fik. Rabbi aoun. Aïch. Bon, on va en direction de Younes. On va à la salle de sport. Laisse-t'a rigoler, donc tu vas payer. Ça y est, on est arrivé, le monsieur, comment il était gentil, j'étais obligé de rigoler. Voilà, c'était un bon. C'est un bon. De fou. Par contre, c'est un café où on est, c'est pas un... Mais non, c'est une salle de sport et à l'intérieur, c'est un café salle de sport. Ici, en Tunisie, c'est beaucoup de café. Regardez ça. Comment c'est grave bien de prendre la route, les gars, et de voyager. On a vu des trucs de ouf. La salle de sport Camel Jeep. Ah ouais, c'est dans un endroit... C'est dans un endroit bien reculé. Hein. Wow, il a dit... Tu sais, il a dit, elle est toute neuve. Hein. On va dans des endroits sombres. Il a dit, elle est vraiment toute neuve, la salle. Là, regarde tes arrières. Mais non, mais les Tunisiens, ils sont trop gentils, il y a ces monde-là. Oh, t'es mal, lui. Oh, les noms, il est super beau. Salam alaikum. Là, c'est là, la salle de sport. Voilà, la salle, elle est incroyable. Regardez, et pour une fois, on a la salle pour nous tout seuls. Wow. On a la salle pour nous tout seuls. Omar,
il est avec nous, on a tout ce qu'il faut regarder. Franchement, c'est incroyable, je suis trop content. Là, c'est des bonnes vidéos, même si je paye, je m'en fous. On a payé combien 15 dinars. Pour nous trois, ça fait combien en euros 5 euros. 5 euros pour tout le monde. Vas-y, c'est parti Omar et Yacine. Moi, je prends les combien? Tu prends les 8 Omar. Yacine, tu prends les 30. Faut que tu me les poses. Mais je peux, non, tu te démerdes, tu les prends tous seul. C'est lesquels? C'est pas 30 ça. Si, c'est plus, tu dis c'est plus, s'il te plaît. C'est 30. Vas-y, quand tu veux. Comment on fait? Regarde, ce qu'il va, regarde comment il va faire Yacine et tu fais comme lui. Voilà, c'est bien Omar. Comme lui. Tu penses à tes pecs. Voilà. Super Omar. T'en fais 10. Faut bien que tes bras ils restent gainés. Oui, il est déjà KO, Miske. Il est en train de faire les bras. C'est bien Yacine, la guerre. Les gros biceps. Les gros biceps. Alors en sorte, on reçoit de la salle. Incroyable. Regarde la vue que t'as là. Ah ouais, je suis pas fini, mon frisson tout seul. Vas-y, va, t'inquiète. Regarde, on dirait une belle mosquée. Où je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on a une super belle vue. Comment ça, il a pas fini, il fait quoi? Ah, il faut encore les triceps. Allez, à ton tour. Ah bah, t'es pas KO. C'est combien là? Là, c'est les bras, t'en fais 10. Ton biceps, ne tend pas comme ça. Reste comme ça, attention comme ça. Les séances, t'as pour moi. Voilà. Séance terminado. Omar vient. C'est mon nouveau poulain Omar, ça y est, il a pas abandonné. Regardez Yacine comment il est un peu. Non franchement la salle elle est magnifique. Hein. Les gars faut traverser. On va essayer de trouver un taxi pour rentrer. Parce que là regardez, on est au milieu du désert les frères. Vraiment au milieu du désert. On avance en même temps. On avance en même temps. Et la merde les frères. Elle a des pour ma première fois de ma vie, je pars de l'autostop. Allah, il y en a un qui arrive. Va sur le trottoir d'en face, tu lui dis stop. Ah, dites-lui stop. Ah, s'il y a des passagers, il va pas s'arrêter. Dites-lui stop. Ah merde, il y a des gens. Trouve un taxi. On a. Eh, vous dites restaurant Gaïa. Ah ouais. Au bout du 10e taxi, sa mère. Restaurant Gaïa, tu dis. On a réussi à avoir le taxi. Alhamdulillah. Maintenant. Prochaine étape, on fait quoi? Prochaine étape. J'ai faim. T'as faim? Ouais. Qui va payer en vrai? On va se tester une pizza. Vas-y. Ça, je vais lui faire une blague, regarde. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ah, attends. Non. Ah, le frérot est en train de faire la pizza maison. Mashallah. On va mettre la sauce tomate. Hop, la sauce. C'est toi qui as fait la pâte? Quoi? La pâte, c'est toi? Oui. D'accord, mashallah. On va mettre le fromage. Hop là. Ça vient d'arriver. Ouvre ta pizza. Waouh. Elle a l'air incroyable. En plus c'est chicken curry. Regardez de plus près. Ah elle est chaude. Inch'Allah. Tu vas te régaler. Elle est chaude ça. Alors à votre avis j'ai payé combien? 15 dinars. En vrai moi je pense que t'as payé 2 euros. 15 dinars. 5 euros. Ça fait combien 15? 5 euros. Ça va, c'est un bon prix. C'est comme si tu prenais une pizza au boulevard. Ouais, c'est un bon prix. On va voir si elle a le goût d'une pizza au boulevard. On est en train de la démarrer. Toi t'es un mec qui mange comme ça en regroupant la part. Moi vous connaissez Yacine, c'est qui dit Yacine du fromage. Le fromage il est comment? Est-ce que c'est un vrai mental ou est-ce que c'est un fromage pas bibé? Non, j'ai vu, c'est de l'emmental qu'il a mis. Il a mis partout comme ça dans la pizza. C'est incroyable. C'est piquant?
Tiens de l'eau. Moi j'ai toujours ce sac dans la vidéo, vous demandez ce qu'il y a dans mon sac, je vais vous montrer, regardez. Alors il y a... De l'eau. Merde, tiens de l'eau. Il y a toujours une bouteille d'eau. Vas-y bois. Il y a toujours une serviette puisqu'on était à la salle. Et là il y a tous mes papiers quand vous allez au bled. Le passeport, la carte d'identité. Ça, ça me suit partout. La tabac, c'est fort. Ma pizza du jardin. Personne touche à ma pizza. Voilà, tu connais pas sur TikTok. Bon, désolé s'il y a du bruit, mais regardez, tout le monde passe ici, donc c'est normal. Un gros blédard. Un gros croc. Oh là là. Moi, j'arrête pas de perdre depuis le début de la vidéo. Je fais que de rigoler, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je me dis, je suis avec eux, je suis au bled. En plus, j'ai grave bronzé. On a croisé un frérot. Tu t'appelles comment? Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est à toi. Merci. Il y a Zarzis, hein. Pas à Zarzis. Ouais, Zarzis. C'est loin d'ici. 30 minutes. 30 minutes. Toi, tu viens de Zarzis là? Ouais. Il y a quoi à Zarzis? Eh, il y a tout, il y a tout et rien. Ah ouais? Voilà. Eh, j'ai une question à te poser. Ouais. Il y en a quoi par là-bas? Tu l'as testé? Non, mais ça a l'air bien, je pense. T'es déjà passé devant? Il a l'air bien. Ouais, Tobogan, tout ça, il a l'air bien. Vas-y, on va tester. Petite pause. Non, j'essaie. Ça marche pas la carte? Non. Non, j'essaie. Elle est encore démagnétisée. Pour la cinquième fois. C'est abusé, oui. On est bloqué devant la porte, elle va plus s'ouvrir. Pour la 26e fois, on est bloqué. Cet hôtel est en ouf. Pour le temps, ça marche pas. Les membres de la mairie vont devoir enfoncer la porte pour rentrer. C'est parti. Gérard. On essaye. Pourquoi t'as deux cartes maintenant? Je sais pas, elle m'a donné deux cartes, je comprends rien. J'abandonne, ça y est. Mais rentrez de la famille, c'est l'heure de la prière. Eh mais ma carte, je l'ai perdue, j'ai la haine. Il y en a une, non? N'oubliez pas, hein, vous avez repris l'école. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent faire la prière alors qu'ils disent, ouais, il y a de l'école, tout ça, c'est chaud? Prenez le temps, c'est important. Ça, le temps il passe vite et c'est la chose la plus importante de votre vie. Normalement, il faut le faire. Faut obliger. Ouais, obliger la prière. Ouais. Comment tu fais toi, Omar, pour la prière quand c'est l'école? Tu sors dès que tu rentres. Ouais. Voilà. Il y a un lézard. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, la famille. J'avoue, j'ai trop rigolé aujourd'hui, même si j'ai beaucoup payé, c'est pas grave. Ils m'ont trop fait rire, Yacine et Omar. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, ça fait trop plaisir. Allez, ciao.